Bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette vidéo, déjà je vais commencer par vous présenter un nouveau produit. C'est ça. Donc en gros c'est des faux ongles. Donc moi je les ai achetés pour pouvoir tout simplement faire des décos, mais sur 5 tailles d'ongles différents. Donc c'est super si vous voulez vous entraîner pour le one stroke sur des tailles différentes d'ongles. Voilà, ça correspond quand même pas trop mal à la taille de mes ongles à moi. Donc voilà, à la limite, vous pouvez même faire vos décos avant. L'avantage, c'est que le vernis est sec, vous n'avez pas à l'abîmer. Et puis, vous avez la possibilité de vous les poser après. Donc là, je vais faire une petite déco vite fait avec un water décal. Ça va être le H064. Donc c'est ça va être une petite déco pour la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Donc là c'est une déco or, mais c'est pas les mêmes or que d'habitude. Ça fait partie des derniers water decals qui sont sortis. Bon alors comme d'hab, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ils en ont mis un plus. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben on va faire ça comme ça. À moins que. Comment je vais faire ça? Si, on va mettre les 6. On va mettre les derniers après sur le pouce, comme il y a de la place. On va pas s'embêter. Soyons fous. Donc, comme d'habitude, on met les water decals à tremper dans l'eau. Hop, sa poubelle. Je vais vous présenter après les paillettes, puisqu'on m'a réclamé les paillettes en vidéo pour les voir en vrai, voir les vraies couleurs en vidéo, parce que c'est vrai que rendu sur le site en photo, des fois il y a forcément des différences de couleurs. Donc là vous allez les voir en vrai. Alors comment c'est? Non. Bon, pendant ce temps là moi je vais chercher les paillettes et puis je vous les montrer après. Voilà, donc quand on sait que c'est prêt, tout simplement le water decal glisse tout seul sur le papier. J'en ai pas un plus petit que l'autre, peut-être celui-là. Je vais le mettre. C'est un doré relativement transparent quand même. L'effet est bizarre. Donc là. Glisse. Ouais. Effectivement, ça glisse. Donc l'avantage du water decal, c'est que quand on s'est planté, on peut toujours récupérer notre water decal et le replacer absolument comme on veut. C'est le gros avantage. J'avoue que l'effet est plutôt étonnant par rapport à ce qu'on connaît d'avant, des stickers qu'on appelle gold. Ensuite, on met un petit peu de travers comme ça. All you need is love, impeccable. La deuxième fleur. Reste là. Ok. En fait, j'aurais dû les faire à l'envers parce que du coup, ouais. Je viens de voir ça maintenant, mais je suis conne sur ce. Et puis du coup, il a légèrement pris. Celui-là, je vais pouvoir le mettre dans l'autre sens, mais j'ai pas réfléchi à ça. Bêta. On va
Et avec un peu d'eau, on va peut-être pouvoir le récupérer. Bon, j'essaie de réparer mes bêtises. Là, je vais la mettre de l'autre côté. J'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai 6 ongles. Oh, j'en ai 6, d'accord. Alors non, j'avais pas, absolument pas. Ah bah du coup, le gros ne servira à rien parce qu'il est vraiment énorme. J'avais pas capté ça. Et donc du coup... peut-être le mettre en haut de l'ongle. Et le All You Need Is Love, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Alors pour vous, ça va être dans ce sens-là. Voilà pour cette petite déco water decal. Donc, pour voir ce que ça donne. Bon, franchement, c'est pas mal. Donc là, je vais éponger. Alors, je vais déjà enlever ça. Je vais éponger le surplus d'eau avec un petit pad. Et je vais passer un coup de top coat par-dessus. Voilà, donc là, je vais passer un coup de top coat. Hop. Sur toutes mes capsules. Sauf sur la dernière, puisque du coup je ne l'ai pas utilisé, ça sert à rien. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, moi il me reste des petites mini-billes que j'ai pas utilisées dernièrement. Donc je vais les réutiliser. Alors, je vais en prendre un relativement fin, donc on y est. Allez hop. Donc je le trempe, je vais mettre une petite goutte de top coat. Je trempe mon dotting tool dans ma petite goutte et ma petite bille. Oh, puis le doigt aussi avec, donc on y est. Et je vais la placer ici. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de mettre des mini billes, vous pouvez mettre des petits strass ou un sur un ongle, mais bon là c'était pour. Alors hop. J'ai pas un fond. Voilà.
Donc après, je vais repasser une couche de top coat par-dessus pour bien faire tenir les mini-billes. De vous, de votre côté, si vous voulez que ça tienne encore mieux, attendez que vos deuxième couche du coup de top coat tienne bien. Et vous en repassez même une troisième couche une fois que c'est bien sec. Donc voilà. Donc pour refaire un point pour réaliser cette déco, si vous voulez reprendre exactement les mêmes éléments, moi j'ai utilisé le 75 Titanic de chez Clean Color. C'est un rouge foncé avec une pointe de rose. Il est super joli. Donc pour le water decal, c'était le nouveau H064. H064. J'ai utilisé des mini billes pour faire mes petites décos. Enfin, les petites boules fantasy, c'est des mini billes. Ça ne sert pas qu'à faire que de la manucure caviar. Enfin, à l'origine, ça ne servait pas qu'à ça. Donc, voilà, du top coat pour protéger le tout. Donc, à bientôt pour une nouvelle déco. Et puis, bien sûr, les nouveaux faux ongles que vous pouvez trouver sur le site. Donc voilà, à bientôt. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à partager.